Bonjour et bienvenue. Voici une lecture de cartes pour la nouvelle lune en Gémeaux, qui est aussi une éclipse, la deuxième de la saison, qui a lieu le 10 juin, donc dans 2 jours. Je vais retourner les cartes et on va voir ce qui se passe. Alors, déjà, on voit les énergies qu'on laisse partir, parce que pour une nouvelle lune, c'est toujours un moment de renouveau, de nouveaux cycles, et avec la pleine lune, la dernière pleine lune qui était une éclipse, c'était vraiment, bon, c'était la fin d'un cycle et une invitation à laisser partir des choses tout ce qui ne nous sert plus. On voit que jusqu'à présent, c'est dans une période où les choses n'avançaient pas forcément comme on voulait. Qu'il y a eu beaucoup de délais, de choses qui n'étaient pas fluides. Et des faux départs, en fait, parce que je vois cette carte qui, normalement, bon, elle est à l'envers. Et quand elle est à l'endroit, et c'est une carte qui parle de, justement, nouveau départ, nouveau chemin. Mais là, elle est à l'envers. Et ça m'évoque vraiment un faux départ, quoi, d'être bloqué, de vouloir avancer, mais de ne pas pouvoir. Alors ça peut être bloqué par, par des choses très concrètes, mais aussi bloqué par des peurs, des doutes. Donc ça, c'est tout ce qu'on laisse partir, en fait. Ce qu'on laisse partir, ce que la pleine lune nous a aidé à... nous aide pour laisser partir tout ça. Et on a cette carte qui nous demande de faire confiance à l'inconnu. Donc ça aussi, c'est vraiment, on a été dans un cycle où il a fallu vraiment qu'on fasse confiance à l'inconnu, parce qu'il y a eu plein d'imprévus, plein de gros changements, et des choses, un bouleversement général. Et ça, en fait, voilà, ça c'est un cycle qui est en train de se terminer. Il y a eu aussi beaucoup de... Ouh, pardon. Qu'est-ce que tu ressens? Donc, beaucoup de... Une opportunité, en fait, de vraiment
se connecter à soi et à son ressenti, à ses émotions, mais aussi beaucoup de par l'incertitude, bah, beaucoup d'insécurité et beaucoup d'émotions très fortes qui ont pu être ressenties dans ce cycle, mais donc qu'on laisse partir, voilà, ça c'est passé. Et maintenant, eh bien justement, on est dans une période où on a acquis de la... Vas-y, je laisse tomber toutes les cartes. De la maturité. Le roi de coupe, il vient nous parler de la maturité émotionnelle. Et voilà, une plus grande stabilité émotionnelle, savoir mieux gérer en fait ses émotions et aussi les accueillir, les reconnaître et les honorer. Et on a aussi le 7, alors, ah ben oui, le 7 de denier à l'envers. Alors, ça c'est intéressant, c'est une carte qui, quand elle est à l'endroit, c'est vraiment, c'est l'attente en fait, attendre que les fruits soient mûrs pour pouvoir les récolter. Donc c'est vraiment une carte qui nous parle de la patience et dans cette période où on attend que les projets soient mûrs pour pouvoir récolter quoi. Et voir avoir des manifestations sur le plan physique, matériel. Mais elle est à l'envers et pour moi c'est vraiment que justement cette attente elle est en train de se terminer. Là on rentre dans une période où on va enfin pouvoir manifester des choses et d'ailleurs on a le chariot. Et le chariot c'est vraiment c'est le mouvement. Donc les choses vont à nouveau ça va à nouveau bouger en fait. Alors par contre pas dans l'immédiat puisque là tout de suite Mercure est rétrograde jusqu'il me semble que c'est jusqu'au 22 juin. Donc le mois de juin ça va pas avancer très vite. Mais justement, c'est un bon mois pour revisiter plein de choses et pour faire en sorte qu'ensuite ce soit beaucoup plus fluide. Et cette nouvelle lune qui est donc une éclipse, les éclipses c'est vraiment ça nous permet de faire des sauts quantiques. C'est comme un tremplin puisque ce sont des lunes très puissantes qui nous permettent de changer notre perception des choses. Enfin, il y a vraiment cette opportunité de passer à autre chose quoi. Et on a cette carte qui nous parle du choix en fait et ça c'est un thème de cette lune je trouve et de dans cette période en ce moment, c'est qu'en fait on a le choix et c'est comment dire ben justement on peut choisir notre chemin, notre façon de voir les choses. Il y a plusieurs réalités en fait et on peut choisir celle dans laquelle on veut vivre en fait et ça c'est vraiment par rapport à notre fréquence, notre vibration. Si on l'élève, on verra pas les choses de la même façon
Et ce qui fait qu'on n'aura pas. Notre environnement aussi va interagir différemment avec nous, en fait. Parce que nous, on aura une vision différente des choses. Et bon, ça a toujours été important, mais maintenant, il me semble que c'est essentiel, en fait, d'arriver à s'élever, en fait, à pas. Parce qu'on est tellement envahi d'informations très négatives et de choses très anxiogènes, que maintenant, encore plus qu'avant, c'est important vraiment de ne pas se laisser envahir par ça et de se détacher au maximum de ces informations ou de ces réactions émotionnelles ou d'arriver à garder une distance, quoi. Pour nous permettre d'être plus calme et de pouvoir faire des choix qui sont plus calmes, justement. Avec la tête plus froide, on fait de meilleurs choix que quand on est submergé par la peur ou des émotions très fortes. Et justement, on a Luc Herrier qui nous dit sois fort et courageux, forte et courageuse. Qui nous parle aussi de la protection, en fait, savoir se protéger de notre environnement quand il y a un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions autour. Savoir rester dans son centre et rester calme. Et donc cette nouvelle période qu'on accueille, on a le 8 d'épée qui comme ça comme ça pas l'air très cool, mais moi ce que je vois dans cette carte pour cette période là qui arrive, c'est que c'est vraiment beaucoup de guérison, beaucoup de guérison, beaucoup de une opportunité d'accepter ses blessures, en fait, d'accepter, voilà, l'acceptation. L'acceptation que, oui, il s'est passé ce qui s'est passé, mais trouver la force et c'est le guerrier aussi, c'est vraiment en fait les épreuves, les blessures, ça nous rend plus fort et on a toujours beaucoup d'enseignements à en tirer et une très grande force. Et en fait, c'est ça, c'est cette période où maintenant, on a la sagesse, on a la maturité émotionnelle, on a la sagesse et le courage de se relever et de trouver, de reconnecter avec notre force. Et de comprendre que ces blessures, c'est notre force en fait. C'est ça qui nous. Toutes ces épreuves nous ont rendus plus forts. Et
parle de l'amour, qui est donc à l'envers. Et là aussi, en fait, c'est vraiment accepter sa vulnérabilité. Et puis accepter de se donner beaucoup d'amour, en fait, être... Je sens une grosse guérison au niveau du cœur, une ouverture du cœur en fait, et cette douceur, juste l'acceptation de sa propre douceur, de sa vulnérabilité, beaucoup de compassion aussi, voilà, quelque chose de très doux, beaucoup de guérison. Tout en étant très connecté à sa force intérieure. Et je vois aussi beaucoup de créativité. Cette carte, fais-toi confiance. Donc vraiment, en gros, une explosion créative. Et puis, bah ouais, confiance en sa créativité, en ses capacités. Sa capacité à avancer. Parce que, enfin, créativité, c'est pas forcément... La créativité, elle peut prendre... ça peut être c'est tout en fait, c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas créatifs, mais parce que ils peignent pas ou ils font pas ils sont pas dans l'art, mais l'art ça peut être moi je pense qu'on est tous créatifs. Et c'est là où il faut se faire confiance. Après, ça s'exprime très différemment parce qu'on est tous différents. Mais on a tous un potentiel créatif très grand. Et c'est ça, en fait, ce nouveau cycle va nous aider à explorer notre créativité et à avoir confiance en ce qu'on fait et en ce qu'on est. Voilà, beau programme, nouveau cycle dans la confiance et la force. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.